Je t'aime jusqu'au bout du monde. Texte, Erin Savana. Illustration, Soufi Regani. Maison d'édition, Langocha. Je m'appelle Axel, j'ai 5 ans et je suis bien décidée. Demain, je pars au pôle Nord porter ma lettre au Père Noël. Je lui remettrai ma précieuse liste de cadeaux en main propre. Eh, regarde, Bernie, ça va être un sacré voyage. Cette semaine, je dors chez ma gentille mamie. Elle a toujours du temps pour moi. Quand je suis chez elle, les pendules s'arrêtent et la vraie vie peut commencer. Bricolage, cuisine, jardinage, câlin à gogo. Rien n'est trop beau pour moi, son petit chéri. Je dois dire que j'en profite bien. C'est bien, mon Axel. Mélange. Même le soir, mamie n'est jamais pressée. Elle prend le temps de me lire une, puis deux, et parfois trois histoires d'affilée. Ce n'est vraiment pas comme à la maison. Tu lis bien, mamie. Chez moi, papa et maman vivent à 100 à l'heure. Et je suis obligée de suivre le rythme. Et ça commence dès le réveil. En ville, pas de coq pour réveiller la maisonnée. Mais une maman déjà affolée. Vite ! On est en retard ! Et un papa qui émerge seulement après son second café. Vite ! Prends ton cartable ! Vite ! Bisous ! Et à tout à l'heure, mon petit ! Non, j'ai oublié ton sac de sport ! Ouh là là, pas le temps pour une histoire ce soir. Je te lis seulement quelques pages. Tu m'avais promis, papa. Oh, et c'est comme ça toute l'année. Toujours tous pressés. Avec tout ce qu'ils oublient, je ne fais pas confiance aux grands pour porter ma lettre au Père Noël. Je m'en chargerai moi-même. J'ai décidé d'élaborer mon plan en cachette. À la semaine prochaine. Seule mamie est au courant. Peut-être qu'elle m'accompagnera jusqu'au pôle Nord. Mais alors, qui s'occupera de ses poules et de ses plantes? Et puis, les petits oiseaux attendent leur pain le matin, sans parler des chats et des chiens du village. Et je dois bien dire aussi qu'elle marche de moins en moins vite. Ce ne sera pas facile pour elle. Mamie a décidé de me tricoter un gros pull en laine, bien chaud. Suis-moi, mon petit Axel. Car il fait très froid en hiver, et plus encore en Laponie. C'est là où le Père Noël habite. Je vois bien qu'elle est un peu inquiète pour moi, mais comme elle me dit toujours, il faut vivre tes rêves à fond, car personne ne les réalisera à ta place. J'arrive, mamie. Le jour du grand départ est arrivé. J'enfile mon gros pull et je déguste le délicieux petit déjeuner que mamie m'a préparé. Son chocolat chaud m'a donné du courage et son regard rempli d'amour, toute la confiance dont j'ai besoin pour me lancer dans cette folle aventure. Fais attention à toi. Je commence à marcher. Je traverse des villes, puis des villages, et ensuite la campagne avec ses maisons de plus en plus isolées. Après les champs, et leur chemin boueux, j'arrive dans les bois. Je marche et je marche encore. Mais cette fois, c'est certain. Je suis perdue. Perdue dans cette grande forêt glacée, tout seule, dans l'obscurité. J'ai peur. Je n'ai jamais aimé être tout seule dans le noir. Et en plus, je commence à avoir vraiment très froid. J'ai l'impression que mon pull rétrécit à chaque pas. Allez, il faut pourtant continuer à marcher. Mais par où? C'est alors que je remarque un tout petit bout de laine qui dépasse de mon pull. Ce n'est pas étonnant que je commence à avoir froid. Mon pull se détricote à chaque pas. L'amour est comme un feu ardent. Plus on s'éloigne de ce qu'on aime, plus on a froid. Je revois ma mamie en train de tricoter ce pull pour que j'aie toujours bien chaud. Je revois aussi sa petite maison douillette, l'appartement de mes parents
où le frigo est toujours bien rempli. Le sourire de maman devant mes jolis dessins. Et j'ai mal au cœur. Perdu pour perdu, autant suivre ce bout de laine. On verra bien où il me conduit. Mais logiquement, il devrait me ramener là où il s'est accroché. À une étape de mon fabuleux voyage. Le fil m'entraîne heureusement hors de la forêt. Je vois même de la fumée au loin qui s'échappe d'une cheminée. Tiens, il me semble avoir déjà vu ce chalet et ce grand atelier. Dans un enclos, des rennes grattent le sol enneigé pour déterrer quelques maigres touffes vertes. Et ce gros monsieur en pyjama qui tient mon brin de laine d'un air étonné, il me semble bien le reconnaître. Eh bien, Axel, je ne pensais pas te revoir si tôt. Tu n'as pas pu attendre le 25 décembre comme tous les enfants sages ? Dit le monsieur en riant. Et derrière lui, toute ma famille est là. Je ne pense même plus à donner ma précieuse lettre au Père Noël, car tout ce dont je rêve est là, sous mes yeux. Ma famille ! Oh, Axel, mon chéri ! Joyeux Noël! Et toi, tu as pensé à écrire ta lettre au Père Noël? N'oublie pas, hein? Ça fait du bien de se détendre avec des histoires. Si tu as aimé ce livre, tu as le lien pour l'acheter en dessous, dans la description. Et pour ne louper aucune histoire, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour être informé des nouveautés, mettre un pouce en l'air et nous écrire un joli commentaire. À très vite, les amis.